is in the place for loving. And no more time for singing. Hard work and little sleeping, that's what we're living. What we are living. I said if I stop singing, I could as well stop breathing. And if one day I stop loving, I'll stop living. I'll stop living. Don't care about it, don't care about it, don't care about it, don't care about anything that you could do or say. Don't care about it, don't care about it, don't care about it, don't care about what you think. I do it my own way. Avant de recruter une personne en situation de handicap, aviez-vous des craintes ou des préjugés ? Non, pas du tout, absolument pas. Un, parce qu'on est une entreprise d'insertion et une entreprise adaptée. Donc je suis chargée de mission insertion et j'ai moi-même une reconnaissance de travailleur handicapé. Donc forcément, c'est un petit peu plus facile aussi pour moi. Et tout en discutant effectivement avec les personnes que je reçois et qui sont forcément un peu stressées parce que non seulement c'est un entretien, mais elles ont peur justement qu'on les prenne pas par rapport à leur RQTH. Voilà, je leur dis, vous savez, moi aussi j'ai une RQTH et voilà, donc j'ai vraiment pas du tout d'a priori là-dessus. Non, nous sur le travail avec Cap Emploi, on a déjà travaillé, donc à la base c'était plus sur des veilleurs de nuit. J'ai déjà eu un veilleur de nuit suivi par Cap Emploi, pour lequel il n'y a jamais eu de soucis. Son handicap n'a jamais posé de problème sur le lieu de travail. Là avec Madame Roloff, c'est pareil. De toute façon, moi lors des entretiens d'embauche, je ne mets jamais en avance le handicap. Je pense que comme tout le monde, on a quelques préjugés par rapport aux personnes qu'on va recruter. Déjà, en temps normal, on a toujours des craintes au niveau ressources humaines. Mais c'est vrai que le monde du handicap au départ fait peur. D'accord, oui. Donc, mais une fois que les gens sont motivés et qu'on les rencontre, cette barrière de préjugés passe au second ou au dernier plan, quoi. Pas du tout. Pas du tout. J'ai un fils qui est handicapé, donc je suis très proche de l'handicap. Sensibilisé. Quel a été votre parcours avant votre prise de fonction ? Il est ouvrier d'ESAT, hein, comme il l'a précisé tout à l'heure. Il a été suivi par un référent d'ESAT, qui a d'ailleurs remarqué qu'il avait de bonnes disponibilités pour pouvoir intégrer le milieu ordinaire. Donc il y a un stage qui a été mis en place la mi-2011, pendant 3 semaines, si mes souvenirs sont bons. Ça s'est bien passé et ça s'est concrétisé au 1er décembre par un contrat d'apprentissage d'une durée de 3 ans. Avec un CFAS ? Avec un CFAS, donc qui est au niveau de l'IMPRO de la Tourelle, et pour lequel ça s'est relativement bien passé. C'est un CFAS qui est adapté à la personne avec ses difficultés. Il est clair que les gens sont formés pour accompagner M. Fonti et d'autres personnes. C'est ce qui d'ailleurs fait qu'il a pu obtenir en juin 2014 son CFP APR. Alors, après ma licence de droit économie gestion, j'ai intégré une association qui lutte contre l'illettrisme, Mots et Merveilles. Et au bout des 2 ans, j'ai été embauchée au groupe Sambre Avenois Immobilier, ici, donc en tant que chargée d'accueil. Donc j'ai arrêté l'école en 3e, à l'âge de 15 ans et demi. Et après, j'ai plus rien fait jusqu'à temps de trouver le travail ici, il y a un an. Comment avez-vous recruté votre salarié ? Je me suis rapproché des structures qui permettaient de placer des personnes avec handicap. Donc, j'avais déjà sollicité les papiers roulants de NA, par exemple. J'avais sollicité donc, les AGFI, plusieurs structures sur le Valenciennois.
avant que justement on puisse me proposer une personne comme Nadia qui pouvait s'intégrer dans l'entreprise. J'ai notre salarié par Cap Emploi, qu'on avait rencontré, et on avait un partenariat sur une première partie où elle est venue en stage pour voir un petit peu le travail et si ça lui plaisait. Dans un deuxième temps, elle a fait un apprentissage ici sur l'établissement. Alors, au travers de la formation, j'ai eu la chance de faire partie d'un jury d'examen sur une formation où Dominique était positionné, et je l'ai moi-même audité pour pouvoir valider son diplôme. D'accord. Avec Cap Emploi, plus précisément. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en plein développement et aujourd'hui on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'on arrive à saturation sur le poste d'assistante de direction. Et donc il fallait trouver entre guillemets une alternative et une solution. Parce que clairement, je n'ai pas la possibilité de doubler de poste pleinement. Et bien à tomber, à un moment, on a réfléchi et on a cogité, avec vous d'ailleurs, et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas effectivement créer un doublon de poste sur le poste d'assistante de direction. Et on a rencontré plusieurs candidates. On a retenu Michel, qui s'est intégré à l'équipe. C'est un peu la maman de l'équipe, parce que c'est une équipe de jeunes ici. Donc elle a trouvé toute sa place. L'handicap, on est passé au-dessus, et je dirais que ce ne sera franchement pas aujourd'hui rédhibitoire pour nous. C'est même d'ailleurs un atout. Comment avez-vous connu l'entreprise ? En postant des CV, en donnant un CV à ma conseillère, et c'est grâce à Cap Emploi qui m'a procuré et qui m'a fait rencontrer M. Chépeau. D'accord. Donc c'est le Cap Emploi qui m'a positionné ici. D'accord. Avez-vous organisé un parcours d'intégration ? Alors, nous n'avons pas de parcours d'intégration à proprement dit, c'est-à-dire que c'est l'encadrant technique qui prend en charge donc, les salariés, et qui donc les reçoit chacun et voit suite à leurs problématiques de chacun, il adapte l'intégration au sein du groupe. Il a été donc formé en binôme dans les premiers temps, et donc la validation a été faite par mes soins. Il a commencé donc, par les phases de nettoyage, les ouvertures salles le matin, et après donc, tout doucement, donc, on l'a donc, formé au poste frites et au secteur grill également. Alors, on sensibilise forcément déjà les encadrants. Normalement, les encadrants assistent à l'entretien de recrutement aussi pour donner leur avis. Donc, il y a l'accompagnatrice socio-professionnelle, l'encadrant, moi-même en tant que DRH qui suis là. Et voilà, nous confrontons nos avis, ça c'est une première chose. Ensuite, je dirais, on prépare effectivement l'équipe à l'accueil d'un nouveau salarié, pas spécifiquement d'un nouveau salarié travailleur handicapé. Sauf s'il y a, je dirais, un handicap qui nécessite une explication auprès de l'équipe de salariés. Pour le cas de Mme Skivet, ce n'était pas le cas. Elle a été intégrée dans l'équipe, je dirais, sans information spécifique sur le handicap qu'elle pouvait avoir. Voilà. Êtes-vous bien intégrée dans l'équipe ? Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien ? Oui, j'ai mes repères, les hébergeurs me connaissent. Voilà, ça se passe très bien. Hein ? Très bien. Quand je suis arrivée le premier jour à la ressourcerie à Ferrières, j'étais accueillie par Menu et puis mon collègue de travail et les encadrants. Ils m'ont fait un peu la visite de l'entrepôt et la présentation des autres collègues. Et après, ça s'est passé tout seul, comme une lettre à la poste. Avez-vous sensibilisé vos équipes ? Non, c'est acquis dans l'entreprise depuis de longues années. Mais sur le travail, je vais peut-être me permettre de répondre, parce que bon, c'est vrai que par rapport à l'équipe et au handicap en particulier de Stéphanie, physiquement, ça ne se voit pas. Donc on peut se poser même des questions parfois, justement, sur les difficultés qu'elle-même peut rencontrer, justement s'agissant d'un handicap non physique et non visible. Avez-vous eu besoin de rassurer vos collègues sur votre handicap ? Non, pas du tout.
Du fait que nous ne sommes que deux, je n'ai pas eu besoin de rassurer les collègues sur mon handicap. Vis-à-vis du handicap, j'ai peut-être le défaut de le considérer comme personnel. Donc ce n'est pas quelque chose dont j'ai forcément envie de parler, que ce soit avec vous ou avec l'entourage professionnel ou l'entourage personnel. Quelles sont les réussites ? Moi, il me rend il fournit un travail pour l'association au niveau de la communication. Il a peut-être été au départ pris avec le cybercentre. Parce qu'au départ, il s'occupait des enfants qui venaient faire l'informatique, puisqu'il avait quelques notions d'informatique. Et voilà quoi. Donc maintenant, il gère tout ça, il gère le journal, mais il a surtout un rôle de, puisqu'il est connu partout. Au niveau de la com, c'est parfait. Des réussites complètes. Et puis, ça sera encore une plus grande réussite, parce que Jean-Marc, il va faire tourner l'agence post-communale. De cette collaboration ? Eh ben, la principale réussite, ça a été une rencontre. Parce que j'ai rencontré une belle personne. Et puis, une belle personne très volontaire. Et ça m'a donné envie de travailler avec elle. En plus de ses compétences qu'elle avait acquises, mais c'est vrai que c'est important, le premier contact. Donc la réussite, c'est que Jean-Michel est très content de venir travailler ici, qu'il va obtenir un diplôme à la fin de son contrat, et que toutes les entreprises auparavant, avant qu'on l'embauche, lui avaient fermé les portes pour avoir un quelconque travail. Avez-vous eu besoin d'un aménagement de poste ? Je suis trop rapide, mais c'est à moi de faire les choses comme ça, à bien faire attention, toujours penser que même dans la rapidité, il y a des endroits où, par exemple, les étages, les étagères, si je ne fais pas attention, des fois je me colle. Mais c'est à moi de bien faire attention. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand c'est la course, mais la plupart du temps, je m'en sors pas mal. Donc il n'y a pas de souci. On était comme ça, donc elle était sur ma gauche, et vu que je suis sourd de l'oreille gauche, j'ai plus tendance en fait à tourner la tête à droite. Donc on est venu s'installer ici, où là j'étais du bon côté, donc où j'entendais sans problème. Et ensuite on a déménagé dans le bureau à côté, où là par contre il a fallu, au bout d'un moment on s'est rendu compte, que, parce qu'elle me parlait, j'entendais pas très bien. J'ai un appareillage aussi, mais du fait du confinement c'est pas adapté. Mais bon, on a trouvé une solution, on s'est mis presque en vis-à-vis. En ce qui concerne le service caisse, nous avons des caisses adaptées à l'handicap et on va l'améliorer en y amenant les douchettes. Non, ça a été automatiquement. Le poste était déjà. C'est ton service propreté, donc il n'y a pas eu d'aménagement de poste. En 2006, donc il y a 10 ans. Donc avant 2006, j'étais évidemment pas confrontée ni personnellement ni dans mon environnement personnel au handicap, donc pas vraiment sensible au sujet. Quand j'ai demandé la réintégration de mon poste au sein de cette école, ça a été difficile dans le sens où les gens avaient une peur de l'inconnu. Et il a fallu justement que j'explique que mon handicap n'allait pas entraver la qualité de mon travail, et qu'il suffisait que j'ai une adaptation de poste pour pouvoir gérer des dossiers les plus complexes. Mon directeur actuel me confie pas mal de responsabilités, et parce qu'il y a eu tout ce travail qui a été fait sur ces 10 ans où j'hésite pas à expliquer mon handicap. Je suis reconnue travailleur handicapé, mais travailleur handicapé certes, mais travailleur. Et donc je suis là presque dans mon environnement professionnel, dans mon bureau, je suis pratiquement autonome. Donc je peux gérer sans l'aide de qui que ce soit tout dossier, toute activité, toute action grâce à mon vidéo agrandisseur, à ma loupe électronique. Et si c'était à refaire ? Félicitations, parce que encore une fois, chez nous, c'est une tradition, on pourrait dire, d'accueil de toutes les personnes. Donc c'est vrai que cette analyse avait été faite puisqu'on a un volet budgétaire pour tous les contrats aidés, je veux dire. Et en tout cas les contrats aidés, les contrats d'apprentissage, notamment pour les personnes porteurs de handicap, reviennent même moins cher que les CAE ou les contrats à venir, car il y a des participations notamment de la région pour des formations ou autres. Et donc le reste à charge pour la commune est vraiment minime.
financièrement parlant, ce n'est vraiment pas une contrainte. Comment voyez-vous votre avenir professionnel? Ben, j'espère finir ici ma carrière, jusqu'à la retraite, si tout va bien. Ah, plus longtemps possible, finir ma carrière là si c'est possible. Oui. J'envisage jour par jour. Il me semble que j'ai trouvé la branche qu'il me faut. Ma compétence dans la communication et la photo et la vidéo. L'avenir professionnel, ben, en étant embauché ici. C'est la bonne nouvelle, tout à l'heure. C'est lequel? L'agence communale, postale. Alors, qui consiste à faire la poste, avoir des timbres, le courrier, comme une agence postale, quoi. Parce qu'en fait, l'agence de postale de Crèvecœur est fermée. Va fermer ici fin février. Pardon. D'accord. Donc du coup, eh bien, du statut de, comment dirais-je, de contrat aidé, vous allez être titularisé. Vous êtes en contrat. Vous allez être en contrat pérenne, un contrat en CDI en fait. Then start working and try to make some money. I said if I start working, when's the time for dreaming? When's the time for dreaming? You said best stop dreaming. Life is all about the money. I said if life's on that way, where's the place for loving? Where's the place for loving? Don't care about it, don't care about it, don't care about it, don't care about anything.